Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je suis vraiment contente de te faire cette vidéo. On va parler de la confiance en toi interne et non pas externe, même si c'est très 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 important. Et d'ailleurs je t'en ai fait quelques vidéos il y a un petit moment, je te les mets ici. Si t'as envie d'aller les voir, ça m'a aidé plusieurs d'entre vous et je suis vraiment contente. Donc j'espère que celle-là pourra t'aider aussi. Avant toute chose, je veux t'annoncer l'ouverture de mon Tipeee. Alors, même si tu comptes pas me donner un peu d'argent et m'aider, va voir ma page de Tipeee. Parce qu'avec mon copain, on s'est pris un mal fou à faire des trucs drôles. Donc j'espère que ça te plaira et que ça te fera rire, au moins que ça te fera passer un bon moment. C'est pour que mes futurs projets se mettent en place, notamment voyager. Puis si tu m'as vu sur Snapchat, il y a un voyage que je veux faire par-dessus tout. C'est en Floride pour aller rencontrer Tony Robbins. J'ai trop trop hâte et ça coûte très cher. Dans tous les cas, je travaille déjà, je compte travailler encore. Ne crois pas que je reste juste assise sur un canapé à attendre que tu me donnes de l'argent. Non, ce n'est pas mon genre. Cet argent va aussi permettre à ce que je puisse m'informer, participer à des conférences, pour moi-même faire des conférences plus tard auxquelles tu pourras participer. Tu sais, 1 euro, c'est le prix d'une chocolatine ou d'un pain au chocolat, ou comme on dirait en Alsace, on n'est pas dans le game, un petit pain. Je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est parti. Comment faire en sorte d'arrêter de toujours te rabaisser quotidiennement et constamment? Pour ça, on va déjà partir sur de bonnes bases et définir ce que ça veut dire pour moi avoir confiance en soi. Déjà, logiquement, avoir confiance en soi, c'est pouvoir se faire confiance à soi-même. Savoir qu'on est capable de faire les choses. Avoir confiance en soi, c'est savoir pertinemment qu'on a la solution, qu'on fait les bons choix et qu'on est capable de s'accompagner pour une belle vie longue et souriante. Alors il y a des petits trucs qui interviennent, comme le syndrome de l'imposteur, qu'on adore, hein. C'est celui qui constamment, même quand tu es capable de faire quelque chose et que tu sais que t'en es capable, vient te dire « Non, 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 tu n'en es pas capable, parce que souviens-toi, à l'été 1987, une fois tu as raté, tu vois. » Pourquoi il est important de travailler sur sa confiance en soi? Parce que ça nous amène mais tellement de difficultés. Déjà, la première difficulté, c'est qu'on a une vision floue. Tu vois, on est là, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis pas capable? Non, en fait, je suis pas capable parce que j'ai pas réussi cette fois-là. Non, nanana, nanana. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas. Dans quoi on est bon? On sait pas. Quel métier on veut faire? On sait pas. Parce qu'on a une vision floue. T'es constamment à te répéter, ben non, c'est nul. Ben, même si j'ai réussi, c'est parce que c'était trop simple. Et si je réussis pas, c'est parce que je suis nulle. Tu vois, le genre de truc qui n'est pas bien? Non, si tu ne réussis pas, c'est parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des obstacles et tu es capable de les franchir. Et si tu réussis, bravo! Il faut savoir être fier de soi quand on peut l'être. Alors, comme solution, déjà se répéter des phrases tous les jours. Des phrases, des citations qu'on a du mal à s'approprier alors qu'on aimerait. Le secret, c'est de se le répéter quotidiennement. Et ça, je te conseille de le faire le matin. Alors, je t'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet. C'était ma dernière vidéo sur la routine matinale que je mets en place pour aller mieux, pour laisser aller les idées moroses loin, loin, loin de nous. Et dans cette routine, tu vois que quotidiennement, je me répète des phrases qui me sont appropriées à mes problèmes. Et je peux te le dire que seulement en une dizaine de jours, tu vas voir la différence. Après, pour voir où t'en as à peu près, je te conseille de faire un petit tableau avec les choses positives et les choses négatives pour voir sur ce que tu ressens, sur ce que tu sens, sur ce que tu penses être. Et après, tu prends un peu de recul, tu peux même demander à des gens « Est-ce que tu penses que je suis vraiment comme ça ?» Je pense qu'ils vont te dire non. Et aussi, tu vas voir qu'il y a beaucoup de positifs, et même s'il y a du négatif, tu peux en faire du positif. Et le fait d'écrire, je pense que c'est très bien pour certains, et de voir visuellement qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est bon et qu'on est capable. Se le répéter, la mémoire auditive, il n'y a peut-être pas tout le monde qui l'a. Donc voilà, il faut utiliser les deux, la mémoire auditive et la mémoire visuelle. Peut-être même la mémoire du toucher, donc kinésithérapeute. Voilà. Après, le tout aussi est de se féliciter. Comment tu peux te féliciter? Tu peux t'écrire des lettres à toi-même, que tu peux lire la semaine d'après, par exemple, t'écris une lettre du jour même. Bravo Déborah, tu as fait ça, je suis très fière de toi, tu en es capable. Et la semaine d'après, je le lis et je dis, ah oui, oui c'est vrai, merci Déborah, tu vois. Un des secrets clés aussi, c'est de te parler comme si tu parlais à ta meilleure amie. À ta meilleure amie, si elle a des trucs, tu lui diras pas, ah non, non, t'es nul. C'est vrai, en fait, c'est vrai, t'en es vraiment pas capable. T'as une mauvaise note? C'est que t'es nul. Ouais, ouais. Tu vois? Non, non, non.
essaie de te parler comme si t'étais ta meilleure amie. Si t'as du mal, fais-le réellement à voix haute. Enregistre-toi, réécoute-le. Je sais pas. Parce que peut-être juste dans ta tête, tu... Ah là là, dans la tête, c'est pas assez bon. Il faut le dire à voix haute, peut-être même devant un miroir. Trouve ton truc, fais-le, mais traite-toi comme si t'étais ta propre meilleure amie. De toute façon, c'est le cas. Tu vois, t'es censé être ta propre meilleure amie. C'est trop cool, tu vas vivre avec ta meilleure amie jusqu'à la fin de la vie. Tu peux même te créer une petite playlist avec l'ensemble des enregistrements qui... Où tu te félicites, où tu te donnes des bonnes choses, où tu as des preuves que t'en es capable parce que t'as déjà fait des choses. Et puis des fois, quand t'es pas bien, tu écoutes cette playlist, tu vois. Tu vas voir qu'il y a une playlist entière dédiée aux choses que t'es capable de faire. C'est que quand même, t'es capable d'en faire pas mal. Alors souvent, ce qui est compliqué, c'est le fait qu'on ait eu des échecs. Alors là, il faut accepter que t'aies eu des échecs dans ta vie. Surtout, imagine une vie sans échecs. Déjà, on s'ennuie, c'est pas cool. Et en plus, comment on apprend aussi bien que par une expérience négative? C'est peut-être débile, hein, mais c'est vrai. Quand tu dois te sortir de quelque chose de négatif pour aller vers du positif, t'es obligé de te bouger. T'es obligé d'y aller. Eh ben, ces échecs, ils sont là pour ça. Ils sont là pour t'apprendre quelque chose. On est d'accord? Reviens en arrière, regarde les échecs que t'as eus et fais une liste des choses que ça t'a apprises. Ben, tu verras que finalement, c'était pas si mal. Et que finalement, si par la suite, tu as encore des échecs, eh ben c'est juste pour t'apprendre continuellement quelque chose. Si tu as souvent les mêmes échecs, c'est certainement parce que t'as pas encore appris ce qu'il était à apprendre. Sinon, on refait plus les mêmes erreurs. Hein. Alors, quand on doute le plus, ce qui fait du bien, c'est aider les autres. Participe à un truc qui est plus grand que toi, peut-être aux luttes sociales, ou participe pour aider ton camarade, parce qu'en l'aidant sur un truc, tu vas voir que finalement, toi, t'es bonne pour ça. En aidant les autres, déjà, tu te sens, t'as de la gratitude parce que ça fait du bien de voir qu'on a de l'importance et qu'on a aidé la vie de quelqu'un. Et en plus, ça te montre à toi-même que t'es capable de faire quelque chose. Pareil, si t'as un doute, fais les choses pendant un temps que t'es sûr de savoir faire et améliore-les. Par exemple, moi, ce que je sais que je sais faire, c'est la communication. Mais je veux l'améliorer parce que plein de fois, je me dis « Ah ben peut-être que je suis pas bonne en communication ». Ah ben peut-être que je suis pas capable de faire des conférences, alors que si, je sais que j'en suis capable, mais il faut que je l'améliore. Donc t'as des trucs comme ça de base que tu sais faire, fais-toi confiance et améliore-le pour pouvoir arriver là où tu veux arriver. Lance-toi avec des petits défis que tu te donnes quotidiennement, ou alors que tu te donnes une fois par semaine. Ça peut être comme ça et tu vas être tellement fière de toi et tellement... Tu vas te sentir tellement capable de tout en fait. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Du plus profond de mon cœur, je te fais de gros gros bisous. N'oublie pas ma petite page de Tipeee. Et c'est tout. Bisous, bye. One, two, one, two, three. I've been feeling so small.